Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Pérouse, nouvel épisode de Star Wars Battlefront. Donc chers amis, on repart en multijoueur, on repart pourquoi pas en attaque des marcheurs, toujours. J'aime bien ce mode. C'est pour moi le mode le plus intéressant du jeu, hein, clairement. Enfin bon, s'il y a des parties. Oh, je la sens bien cette journée. Ah, ça y est. Parfait, rejoindre. La tête des marcheurs centroplexe sorosub. Pourquoi pas. Hop, je tape un, donne un vieux coup de pied dans le micro pour bien démarrer la vidéo, c'est génial. Lorsque des cartes... Oui, bien sûr, ça je sais. Alors... En plus, on est côté... côté rebelle. La partie a donc commencé depuis longtemps. Oh oui, elle a commencé depuis longtemps et à mon avis elle est perdue d'avance. Exact. Hop. Système de visée du Y-Wing verrouillé. On va être trop près des grenades. Là aussi. Ok. Ok. En douceur. Ok, grenade, dommage, on est mort. Tous. Alors. Donc apparemment c'est bizarre, on défend pas si mal, mais pourtant on a perdu. Ils ont quand même bien perdu la partie. Hein. Hop. Alors je vois un bonus ici qui vient de disparaître, non c'est bon. Alors, hop, ici. Super canon blaster. On a toujours notre pote ici qui tient le camp. What the fuck, pourquoi ici? Il s'ouvrira jamais ce. Hop. Qu'est-ce que c'est qui me tient dessus? On n'y voit que Pouic. Ok, je vois pas ce qu'on sait dessus, c'est génial. C'est absolument génial, hein. Ok, je crois que je l'ai vu. Oh, putain! Pourquoi lui il me voit et moi je le vois pas? C'est saoulant! Enfin, je trouve ça complètement pute, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Franchement, je... Oh, génial. De toute façon, c'est mort, mais... Oh! Mais putain! C'est terrible! Ah! What the fuck? C'est de la what the fuck. Bien sûr. Ça me semblait tellement logique vu comme ça. Vais-je me faire buter? C'est pas faute d'avoir essayé. Hop les. Cet endroit est infesté de sales troupeurs.
Ok. Luc. Que la force soit avec nous. Ah, je me rappelais pas du doublage, mais alors c'est vraiment moche. Hein. Ok, on y va. Hop. Ok. Vous n'avez aucune chance contre un Jedi. Ok. Attaquer le marcheur, bah oui, c'est marrant, quoi. Ok. Est-ce que ça marche, moi? Non, ça marche pas. Ah, voilà. Bon, au moins on aura monté un petit peu au niveau des points. C'est toujours ça de près. Démarra, départ par camion. Voilà, bon bah voilà. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. Hein. C'est d'une violence. Alors, il paraît que ce pistolet est contre overcheaté. Écoutez, je veux bien vous croire, les mecs. What? Mais comment il sait? Regardez ça! Comment il sait que je suis là? C'est complètement fou! Je ne toucherai jamais de là-bas. Oh là, what? Blah, what? Mais c'est tout ça avec le DL-44 en plus. Ça va être un échec cette partie. Oh mais what? Je les vois même pas! Je suis complètement aveugle, de toute façon on a perdu, c'est pas grave. Bon, on a perdu. On est complètement mauvais, on a complètement perdu. C'est catastrophique, mais la connexion a tenu. La connexion a tenu. Ah. Bon, next. Allez, next. Oh, c'est d'une violence, je suis encore à moitié malade. Hop. Ouais, 357 crédits. Ça coûte combien le DL-44? A tout hasard. Ah bah il est pas encore débloqué, pardon, excusez-moi, il est rang 25 et il coûte 2500. J'aurais de quoi l'acheter, remarque. De ce côté-là, c'est cool. Ok, rejoindre. Après tout, ça commence dans 5 secondes. Ah pardon, c'était censé commencer... dans 5 secondes, mais en fait non, ça commence dans 20 secondes. Bon bah, ellipse. Ah bon. Hop. Passé. Début du match. On va garder les mêmes blasters. Hein. On est côté impérial ou côté... côté impérial. Donc non, on va pas garder les mêmes blasters, on va prendre le sniper même. Pour ce qui est du début en tout cas. Ils activent les liaisons, arrêtez-les. On voit que ça joue déjà plein pot au DL-44 là. J'avoue, je saoule. Ah bah j'ai réussi à le faire le saut finalement. Cool. Nos scanners indiquent que les rebelles ont activé une station de liaison. La frappe orbitale est sur le point de tomber. Pourquoi ça tombe? Ne laissez plus les rebelles après les bombardiers en renfort. Appelez. Boba Fett a été déployé dans notre secteur. Écrasez la rébellion. Nos droïdes sondes ont localisé Skywalker. Il est tout prêt. Préparez-vous à le combattre. What? Wow! Ça fait mal! Franchement, je sais pas comment il a pu faire pour avoir autant de dégâts, mais... ça fait mal aux fesses. Les bombardiers rebelles ont verrouillé. Pourquoi ils ont tout activé? Mais qu'est-ce que vous branlez, les mecs? Ils
What? Ah, c'est moi qui ai débuté. Je crois, non, même pas. Oui, c'est moi qui ai débuté. Maintenant, mettons un terme à cette rébellion. Bon, ça serait peut-être encore plus cool de commencer à jouer les... Un Y-Wing des rebelles s'en prend à notre TBTT. Waouh, il est censé... Il est là où on est censé être en fait, c'est con. Alors. Oh, t'es sérieux? Putain, mais le boost de saut, il est naze des fois, mais alors. Ok. On n'ira pas plus haut sans le boost. Hein. Sur notre marcheur. C'est ça que t'es en train de me dire, je. Hop là, parfait. On tombe pas. Maintenant, on couvre le marcheur, merde. What? Bien joué. Je suis mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais que c'est mauvais. Catastrophe. Ok, on a récupéré le boost. De toute façon, on va prendre tellement cher au premier assaut que ça va être une violence. Hop. D'après notre émetteur, le contrebandier Han Solo est près de votre position. Liquidez-le. Putain, mais je les vois pas venir ceux-là, ils sont chiants. Il a bien servi d'appât et je me suis bien fait eu comme un gros naze. Bien joué. C'est le rôle d'un héros de servir d'appât. Hein. Notre marcheur est vulnérable. Empêchez les rebelles de s'en approcher. Mais bien sûr. Et là, t'as même pas poussé dans la bonne direction. Génial. Excusez-moi. Putain, tu l'as vu, bah tu la verras plus. J'aurais pas le droit, mais je réapparais en plus dans... Non. What? Putain, il est saoulant celui-là avec sa putain de tourelle. Ok, on va changer ça un petit peu. On a vraiment un score de merde. 2-6 et on est dans les 10 premiers. Catastrophe. Notre TBTT est encore vulnérable, mais ça ne va pas durer. Le TBTT commence à tomber en morceaux. Nous avons fait appel au service de Boba Fett. Station de liaison désignée. Rendez-vous sur place immédiatement. Moi, je fais pas de dégâts. L'empereur est arrivé. Attention aux soldats rebelles. Ok. Ok. Approprié pour Han Solo. Ok. Missile à tête chercheuse. C'est pas grave.
On aura remonté quelques frags au moins. Merde, j'aurais dû changer d'équipement. Est-ce que je peux changer d'équipement? Comment je peux changer? Seulement au prochain truc, j'imagine. C'est pas grave. Ok. Ok. Attention, grenade. Un bombardier rebelle à notre TBTT en ligne de mire. Ok. Ah, bien joué, bien joué. Alors, on pense à changer d'arme. Hop. Départ partenaire pour être plus proche. On l'est pas des masses. Vador est arrivé. Allez, vas-y, roule ma poule. Non. Haute grenade. Les bombardiers rebelles ont notre TBT qui est dans le viseur. What? Hop. Et peut-être qu'elle a marché la mienne quand même, non? Putain, elle a pas marché! Je viens de gaspiller un imploseur thermique, t'es sérieux? Bon, marcher derrière Vador. Ok, je meurs. Génial. Absolument génial. Je l'ai vu la grenade, je me suis dit non. Ça, c'est pour moi. Ok. Ok. Alors, au clavier, c'est terrible. Oh! What? C'est une torpille ionique qui vient de me faire ça? Mais c'est quoi ce bordel? C'est la catastrophe! Le marcheur a besoin de votre protection. Les boucliers sont HL. Oh! Et la grenade là, tu te l'es pas bouffé? Putain! Bon bah y'en a un au moins déjà, donc ça c'est mort. Hop! Même pas moi qui l'ai eu, c'est génial. Restez concentrés, ennemi sur le terrain. Solo ne nous mettra plus de bâtons dans les roues. Le TBTT est exposé aux attaques. Ouais, bon bah voilà, c'est une défaite. Mercredi. Non, j'ai pas réussi, j'ai pas le temps de tirer ma grenade. Enfin, de lancer ma grenade. Bon. La double défaite alors, chers amis. Écoutez. Ce sera le nom de l'épisode. Double défaite. Ça fait longtemps, ça fait plus de 10 jours que j'ai pas joué, remarque. C'est pas une excuse, vous me direz, mais bon. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Et bah écoutez, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, double à plus. C'était presque parfait comme outro en plus, presque.